présence au nom de Jésus que je prie. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui lundi. Nous sommes à une heure très stratégique. Pour ceux qui ne le savent pas, on appelle l'aurore. L'aurore, c'est à partir de 4 heures du matin. C'est l'aurore qui fait la transition entre le jour et la nuit. Est-ce que vous me saisissez un peu? C'est l'aurore qui fait le passation de service, qui dit à la nuit et au jour, tiens, tiens le dossier de la nuit. Amen. C'est l'aurore qui dit au jour, tiens, tous les dossiers de la nuit. Amen. Amen. Vous savez, sans la nuit, le jour n'a pas son sens. C'est ça que la Bible a dit, les œuvres des ténèbres. Ce qui se passe dans la nuit, on appelle ça les œuvres des ténèbres, parce que le noir, c'est les ténèbres. Et pendant que nous dormons, il y a des choses qui se passent dans la nuit. Or, c'est la nuit qui donne un sens au jour. C'est pour ça que vous allez voir que tout commence par la nuit. Arrête ton portable. Arrête ton portable. Je vous ferme. Donne ça à quelqu'un d'autre. C'est la nuit qui donne un sens au jour. C'est là que vous allez voir que quand on mettait quelque chose en terre, c'est à partir de la nuit que tout se... voilà, la nuit. Pour constater que la nuit a grandi en terre, matin, vous voyez, ça commence à germer. Je vous dis que la nuit a un sens très important. La nuit. Amen. Amen. La nuit a un sens très important. Or, c'est dans la nuit que le diable travaille beaucoup. Amen. Amen. C'est dans la nuit que le diable travaille beaucoup. Vous allez voir que les grosses affaires, les choses, c'est dans la nuit, les gens font les grosses affaires. Or, quand on parle de la nuit, quand on parle déjà 0h, le temps change. Quand vous allez regarder votre montre, vous allez constater qu'il fait déjà jour. C'est pour ça qu'on appelle 1h du matin. On va dire 2h du matin. Il fait déjà jour. Dans la nuit, le jour commence déjà. Amen. Amen. Il faut dire à la personne qui parle dedans. Attendez doucement avec la parole. Ok, amen. Amen. Donc la nuit, c'est pour ça que... ceux qui ont le temps de prier beaucoup, quand vous regardez un peu, quand j'étudie un peu la christianologie, qui est la vie du Christ, Christ avait l'habitude de prier les nuits. Il priait toutes les nuits. Or, ceux qui maîtrisent ce mystère-là, hein, n'est-ce pas, possèdent beaucoup de choses en matière de spiritualité. Vous allez voir que l'arrestation de Jésus se fait dans la nuit. L'arrestation de Jésus se fait dans la nuit. Donc, la prière, c'est dans la nuit que beaucoup de choses se passent, la nuit. Amen. Amen. Or, pendant la nuit, il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Le diable travaille pendant la nuit. Écoutez-moi très bien pour l'exhortation que je suis en train de vous donner ce matin. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chrétienté, c'est une vie. Celle que nous sommes ensemble ici, nous sommes ensemble. Or, la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Elle est individuelle, la vie chrétienne. C'est-à-dire, il y a une vie qui doit mener. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. En dehors d'ici, il y a une vie que tu dois mener. Or, ce qui doit caractériser le chrétien, c'est une vie, la vie chrétienne, qui est la prière, basée dans la prière et à l'obéissance de la parole de Dieu. Le diable, il arrive à voir facilement les gens parce que les gens ne prient pas. Amen. Est-ce que les gens ne prient pas? Or, l'âme du chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Si vous ne priez pas, l'ennemi régnera sur vous. Or, la prière, c'est quoi? C'est communier avec Dieu. Le contact avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas une vie de prière, le diable a facilement accès à ça. Ils sont en train de détruire ta vie parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. C'est pour ça que la vie dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Amen. Priez sans cesse. Or, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, le diable a facilement accès à sa vie. Amen. Amen. Le diable, vous voyez, il sait de qui il a peur. Il a peur de celui qui a la vie de prière.
pas celui qui en forme, mais qui connaît tous les versets bibliques. Celui qui a une vie, est un accord de celui qui prie beaucoup. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus Dieu se révélera à toi. Plus tu t'éloigneras de cette présence, plus le diable aura accès à ta vie. C'est comme ça. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus Dieu te bénit. Plus tu seras en contact avec Dieu, vous allez voir que l'onction de Dieu, Dieu va commencer à déployer son onction sur votre vie. Si vous voyez quelqu'un qui a un grand ministère, c'est qu'il a une vie de prière. Voilà, c'est qu'il y a une vie de prière. C'est ça que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens quand les réveils pour prier commencent à murmurer, oh, ça les énerve, ils se disent. Non. Une vie chrétienne est basée sur le baissant de la parole de Dieu et la prière. Or, il y a des heures, il y a des heures stratégiques des anges. Or, vous voyez, à 4 heures du matin, nos frères, nos parents, Goula, on appelle les musulmans, ils connaissent ça. Moi, je suis né dans l'islam, moi, je suis né dans l'islam. Mes parents sont musulmans, sont morts d'ailleurs musulmans. Ma mère est peu malienne, voilà, donc il est marié. Donc, je suis né dans une famille musulmane, j'ai pratiqué l'islam. Les gens ne jouent pas avec 4 heures du matin. Ils maîtrisent ce mystère. Amen. Amen. Oh non, on s'est dit non, ben, on peut prier à n'importe quelle heure. Or, l'heure de la prière matinale à partir de 4 heures. C'est là qu'ils s'ouvrent les portes de la journée. C'est bibliquement prouvé. Amen. Amen. C'est bibliquement prouvé. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, le psaume qu'on est. Le psaume combien? Et le verset 147. Le verset 147. Le psaume 119, le verset 147. Vous dites quoi? Je dévance l'aurore. Amen. Amen. Vous prenez la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des heures des anges. Il y a des heures des anges. Je dévance l'aurore. Le psaume 119, le verset. Combien? 147. On y va. Psaume 119, verset 147. Avant le lever du soleil. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est ça? Oui. Avant le lever du soleil. On prend ça. Oh, l'orange cherche, c'est quoi? Allons-y. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Oh, ça me sert, c'est important pour moi. Oh, il y a pouvoir dans ce qu'on appelle le lever du soleil. Je vais vous expliquer le mystère. Allons-y. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Je t'appelle au secours. Je t'appelle au secours. J'attends avec espoir. J'attends avec espoir. Ce que tu diras. Amen. Allons-y avec la version du Simon. Ça, c'est parole de vie. C'est la meilleure version actuellement sur le marché. Parce qu'il y en a plusieurs versions bibliques. Je dévance l'aurore et je crie. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Ça dit quoi? Dévancer l'aurore, ça dit quoi? C'est précéder l'aurore. L'aurore n'est pas encore arrivée, mais moi je dévance l'aurore. Or, l'aurore, c'est 4 heures. Moi, je me réveille déjà à partir de 3 heures. Je commence à dévancer l'aurore, j'écris. Amen. Amen. Avant que l'aurore apparaisse déjà, amen. Moi, je commence déjà à crier. Je commence déjà à parler à l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Amen. Amen. Le diable, il a travaillé pendant la nuit. Il dit, Yahweh doit mourir à 9 heures. C'était programmé. Vous voyez la vie que nous voyons là, c'est une question de programmation et de déprogrammation. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Programmation et la déprogrammation. C'est ça que quand nous retrouvons ce pouvoir, Jésus qui dit, tout ce qui vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sera délié. Amen. Amen. Programmation et déprogrammation. Oh, amen. Amen. Or, ils ont le mystère, ils ont ce pouvoir de la programmation. Un programme, tout ce qui vous arrive, tout ce qui va t'arriver, a été déjà programmé. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ah, il a fascinant. À 10 heures, ils sont précis, bien calculés, à 10 heures, bien programmés. Écoutez très bien les aveux des sorciers.
On l'a programmé. Il doit mourir à telle date. C'est une programmation. Satan, il a programmé. Amen. La nuit, il programme. La nuit, il programme. Il travaille sur toi. À 10 heures, Yahou doit mourir à 10 heures. Satan programmé. Yahou, il est chrétien, n'est-ce pas? Ok. Or, Christ nous a légué ce pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui dit tiens le pouvoir, il ne viendrait pas exercer à ta place l'autorité qu'il t'a donné, le pouvoir qu'il t'a donné. Cela, ça n'a plus de sens. Le pouvoir n'a plus de sens. Il t'a donné son pouvoir. C'est à toi de t'élever, d'exercer l'autorité, le pouvoir qu'il t'a donné. Or, si tu dors, pour dire que tu conseilles Jésus, pour venir te déprogrammer, à 10h, tu es mort. Pouf, tu es mort. Parce que lui-même dit tout ce que tu délis sera. Et tout ce que tu lis sera. Voilà. Donc il dit, consulte-toi, il délie et délie. Lui-même, consulte-toi. Il t'a déjà tout donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Amen. C'est pour ça que par manque de connaissance, la Bible dit craint que le peuple de Dieu périt. Ils ont programmé à 10 heures. Toi, tu dors. Or, à 10 heures, à partir de l'aurore, les dossiers commencent à partir. Comprenez? Ils ont parlé pendant maintenant. L'aurore, lui, prend le dossier pour dire, ok, lundi. Aujourd'hui, c'est lundi le 10, n'est-ce pas? Le 10. Dit, Réau doit mourir à 10 heures. Tiens le dossier. L'aurore prend ça. Il valide. Toi, tu n'as pas prié à partir de 4 heures pour déprogrammer dans le dossier qui devait être de lundi à 10. Détruit la mort. C'est parti. À 10 heures, tu vas voir. Waouh, tu es mort. Vous comprenez? Amen. Non, non, non. D'où tu donnes le nom à ceci? Son nom, c'est qui? Ceci, c'est un comédien. Amen. Amen. Si toi, tu ne sais pas qui, ce que tu représentes dans le Seigneur, tu donneras le nom à ceci. Amen. Amen. Il y a des choses que Jésus-Christ ne viendra plus faire à ta place. Non. Parce qu'il t'a délié son pouvoir. C'est pour ça que David dit, je dévance l'aurore. Avant que l'aurore n'arrive, moi, je dévance déjà l'aurore. Je traite déjà avec l'aurore. Vous dites, le dossier que l'aurore va transmettre au jour, j'annule déjà la mort. J'annule la pauvreté. Amen. Amen. Parce qu'au cours de cette journée, il y a ce qui a été programmé contre toi. Et puis, il y a ce qui t'attend comme bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'aurore vient avec le dossier. Et c'est à toi maintenant de prier. C'est à toi de parler. Si tu ne parles pas, on remet le dossier. On dit à 15h, il va frapper sa femme. On programme. On met ça à 15h. Une histoire bizarre, palable. Vous ne comprenez pas, palable dans la maison. Séparation, tout ça. Ça a été déjà programmé. Or, ça, cette heure-là, le sommeil est doux. Oui. Amen. Là, tu montes comme. Bah. Quand tu touches, mais il n'y a pas là dans ça. C'est sucré, le sommeil. Amen. Or, les sorciers savent que à partir de 4 heures, ils arrêtent les œuvres. Demandez tout sorcier. À partir de 4 heures, il ne peut plus rester dans le monde astral. Il ne peut plus rester dans le monde, ils sont obligés de venir. Parce que quand il dépasse là, tu es mort. C'est les portes. La journée s'ouvre à partir de 4 heures du matin. Je vais prendre un exemple banal. C'est vrai qu'on est, il y a des enfants parmi nous. Mais vous savez qu'un homme, un véritable homme, c'est à partir de 4 heures qu'il a une réaction. C'est ça que les judais de guitare baoulés là. 4 heures du matin. Vous n'avez jamais vu Bonsoir chanter ça. Amen. Amen. Non, c'est le corps. Le corps réclame, le corps. Amen. Amen. Si 4 heures du matin, tu as un problème, hein? Il faut prendre 5 commandes rouges, et puis le joueur 23, va purger ton mari. Purigeois 23. Si tu ne connais pas, vous me verrez. Je vais te montrer où on achète ça. Avec 5 piments rouges. Dans les campements, il y a ça, numéro 1, numéro 2, jusqu'en 38. Je suis dans les campements.
chef de la cuisine, je suis étonné. On est équipe nationale. Il joue un cœur à 38 dedans. Le nouveau-né, c'est quand au pépé, déné blé. Mon frère, bah, on a fini ça. Hein? Il peut voyager, c'est Purijo et cher d'avoir maintenant. Le détecteur va vous prendre à l'aéroport. Plein, plein, il y a quoi? Purijo, allez, chez ça! Il est à la Paris, plutôt que Purijo. Amen. Donc, à partir de 4 heures, le corps entre en mouvement, le corps s'ouvre, le corps commence à s'ouvrir. Amen. Amen. Si ton mari est chaud, tu dis stop. C'est l'aurore, n'est-ce pas? Doucement. Je lui dis doucement, c'est l'aurore. Amen. Amen. Or, quand l'ange Jacob a lutté avec l'ange, il dit laisse-moi partir quand l'aurore arrive. Amen. Amen. Prenez le psaume, Genèse 34. C'est ça? Genèse 36 plutôt, le verset 6, c'est ça? Il dit laissez-moi partir parce que l'aurore arrive. Je ne dois pas rester ici parce que l'aurore. C'est ça? Le verset. C'est qui connaît la Bible comme ça? Tu viens d'où, monsieur? Moi, j'aime bien les gens qui, quand tu parles, puis maîtrisent les choses. Laisse-moi aller quand l'aurore arrive. Le verset 26. 32, le verset 26. Écoutez très bien la parole de Dieu. Regardez la parole de l'homme. Allons-y. Puis l'ange dit à Jacob. Le jour s'élève. Laisse-moi partir. La version, le second, on y va. Il dit. Laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Amen. Amen. Laisse-moi aller. Et l'aurore s'élève. Allons-y, regardez la parole de Jacob. Je ne te laisserai point aller. C'est l'aurore là qui est important pour moi. Je te laisserai. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Que tu m'aies béni. C'est l'aurore. Que le nom de Jacob a été changé en Israël. Nous avons lutté toute la nuit. Il y a les heures stratégiques. Amen. Amen. Ne jouez pas avec 4 heures du matin. Amen. Vous n'êtes pas béni parce que vous n'êtes pas en contact avec le spirituel. Or, pour être béni dans ce monde, il faut être un homme super spirituel. Ne donnez pas le nom à ces petits comédiens. Amen. Pendant qu'ils programment, toi tu viens, tu déprogrammes. Ils ont programmé. Toi, le matin, tu te lèves. Pendant qu'il entend et sourit, parce qu'il sait qu'il y a 10 heures, le gars est mort. Tu vas rentrer sous voiture. Et tu regardes. Or, toi, tu maîtrises ce mystère. À toi, 30, 4 heures, tu as déjà déprogrammé. C'est fini. Il est tombé, il est supplié. Il vit encore. Or, vous savez que ces gars-là, ils ne lâchent pas. Ils vont revenir encore à l'attaque. Amen. Amen. À moins que tu fasses une petite action prophétique pour le détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vous savez qu'eux, ils programment le système dans ce qu'on appelle dans l'espace, le soleil. C'est pour ça que les mystiques, elles connaissent le pouvoir du soleil. Quand le soleil s'élève, commence à apparaître, tout le mouvement cosmique, tout ce qui est, tout se met en marche. Tout le pouvoir se met en marche. Le soleil que vous voyez est un pouvoir. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil, comme on appelle Jésus, n'est-ce pas? Soit le combat les madianistes. Il dit soleil, arrête-toi sur Gaba. Jusqu'à ce que je fasse périr les ennemis d'Israël. C'est pour ça que vous voyez que dans l'année, il y a un mois, le mois de février, il y a toujours un problème là. Parce que le monsieur qui a arrêté ça, c'est Jésus.
J'ai commencé à enseigner un peu sur le pouvoir du soleil, tout ça. Ça a créé beaucoup de choses pour lui. Amen. C'est ça que nos parents, ils savent. À partir que le soleil commence à se lever, tout mouvement se met en marche. Amen. C'est pour ça qu'en bas, il verse l'eau d'abord avant le lever du soleil. Il y a beaucoup de choses qu'on en connaît. L'aurore. À partir de 4 heures, quand le soleil commence à se lever, tout ce qui a été programmé commence à entrer en mouvement. Amen. Amen. Tout commence à entrer en mouvement. Donc l'aurore. Vous allez vous prier, si vous ratez le système de l'aurore au matin, vous ratez ça, vous allez rater la prière. Amen. Quand tu manges, elle sort s'arracher. Bien. Écoutez très bien les avis des sorciers. Ils disent toujours, on a programmé. On l'a tué, mais il va mourir à telle date. On va l'attacher, il va mourir là. Tout se passe là la nuit. Ils ont discuté de ça la nuit. Dans la nuit. Tout a été fait dans la nuit. Tout a été programmé dans la nuit. C'est pour ça que nous, en voulant les faire souvent là, ceux qui travaillent la nuit, et ils sont faits pour ça. C'est pour ça que la nuit, ils sortent de leur corps pour faire des réunions avec la confrérie. Comme un petit enfant de rien, tu manges. Tu t'attaches comme un cabri. Tu ne maîtrises pas. On a écouté aussi les aveux d'une vieille. Elle a programmé son fils comme cabri. Le cabri a fui. Le cabri qui a fui là. Viens prendre mon petit. Elle a initié son petit-fils. Elle a parlé ça. C'est un vieux grand gros. Elle est à table de petit. Le petit allait prendre son papa. Mais la fois, il loupa. Hein. Quand il vient se tirer, il ne loupa. Et il voit la sorcellerie comme un amusement, comme un jeu. C'est ça que quand les gens veulent reçu une grande mission, ils initient les enfants. Ils n'ont pas de sentiment. Tu es là pendant que tu dois un enfant, tu gères. Quand tu es là, maintenant, tu dis l'enfant, tu dis. Gaillard, il te met victime, tu frappes, il te met dans sac. On doit Dora, il te met au dos. Il est parti. Ou mais il vient manger sur ton dos. Tu te lèves ton corps, ta poitrine. Et moi, ici, mamie chaud. Et tu dors pour. Et les gens, quand tu passes derrière la maison, tu sais que c'est Rio Orchestra, l'orchestre de qu'on appelle la tire. Nous, les musiciens, ils ont tous les sons dedans, tous les sons. Et les gens, tu vas dormir dans la même maison que ils ont fini air renflé. C'est leur ministère. Oublie de dire, pardon, laisse-moi dormir avant toi. Ok, pardon. Mais on a pour essayer de dormir avant toi, puis tu vas commencer à faire ton orchestre. Or, le diable aime bien le sommeil spirituel. Il aime faire dormir. Il sait que si tu dors, c'est fini, il fait ton travail. C'est ça que quand tu commences à avoir l'assoupissement, on appelle ça l'assoupissement spirituel. Pour te dire que tu es déjà gagné par l'ennemi. Il a trop peur de ceux qui prient. Amen. 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 Que les gens font. Ils n'ont qu'à tout faire. Il ne faudrait pas qu'on t'arrache ta vie de prière. La chose qu'on ne va pas t'arracher, c'est ta vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez des femmes et des hommes de prière. On ne vous arrache pas ça. C'est l'âme du chrétien. Amen. On ne s'amuse pas à la prière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'aurore? Quand l'aurore commence à apparaître, on commence d'abord par déprogrammer ce qui a été programmé. Tout au cours de cette nuit, tout ce qui a été fait sur moi dans ma vie,
programmation de mort. Tu commences par là d'abord, d'accident, de pauvreté, de misère. Tout ce qui a été programmé négativement contre moi, j'annule au nom de Jésus. Amen. Sur ma vie, sur la vie de mes enfants, mes affaires, j'annule. C'est fini. J'ai tout annulé. Parce que la Bible dit que tout ce que tu délies sera délié. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est fini. Une fois que tu commences à annuler, c'est fini. Tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Amen. Or, quand tu finis d'annuler, il faut se programmer. Parce que la vie est faite de ça. La programmation et la déprogrammation. Quand tu finis de déprogrammer, il faut programmer. La journée doit t'apporter la bénédiction. Amen. Quand tu commences à parler au jour de lundi, aujourd'hui 10, toi lundi 10, tu dois m'envoyer l'argent. Parce que c'est important. Or, le diable pour t'attaquer, il va commencer à attaquer le pouvoir financier. Une fois que tu n'as plus l'argent, tes pensées vont changer. C'est pour ça que David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Amen. Amen. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton père, n'est-ce pas? Il t'en fiche, mais ça doit venir pour résoudre tous les problèmes de la maison, de la famille. Quand un homme n'a plus l'argent, le père de famille n'a plus l'argent, c'est fini. Une semaine, la femme le regarde bizarre. Amen. Amen. Vous savez de quoi je parle? L'argent. Un accueil chrétien, une semaine, voit rien sur la table. Elle voit rien, qui est bizarre. Tu perds ton pouvoir. L'enfant ne voit pas le pain, pain ma grenier. On a besoin de ma grenier, non? Père Macarani, l'enfant n'a pas vu ça. Deux jours, c'est fini. Tu vas parler à qui? Il va t'écouter dans la maison. Ah, condiment. Ah, maintenant on a changé de nom. L'enfant ne voit pas ça, c'est fini. Il ne respecte pas. Donc ça doit venir pour qu'on te respecte. Est-ce qu'il y a ça pas? L'argent fait qu'on te respecte. L'argent, ça te positionne. Il dit non, vous pouvez aimer l'argent. Qui t'a dit ça? Moi j'aime l'argent. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne cherches pas, n'est-ce pas? Pourquoi vous allez aimer l'argent? Ça ne va jamais venir dans vos poches. C'est l'amour d'argent que Dieu condamne. Parce que pour l'amour de l'argent, les gens sont prêts à tuer. L'amour d'argent. Sinon, l'argent doit aimer. Si tu n'aimes pas l'argent, c'est que tu es maudit. Pour que l'argent m'appartient à Dieu. Puis tu dis que tu n'aimes pas ça. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir, là, parlant en langue, là, c'est un pouvoir spirituel. Le pouvoir sur la terre, c'est le pouvoir. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, et dans les cieux et sur la terre. Il y a le pouvoir de la terre et puis le pouvoir du ciel. Nous, on est tous spirituels, on veut parler en langue, on veut guérir les malades, ok. Il y a le pouvoir aussi de la terre, donc le pouvoir financier. C'est pour cela que Dieu, pour que Dieu nous bénisse donc, sur les deux plans, le pouvoir du ciel et de la terre. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à voir l'argent, tout change autour de toi. Ta manière, la manière de voir change. Le monsieur, maman, il te parlait, il réfléchit 5 fois. Amen. Amen. Les gens ont envie de te dire bonjour, forcé. Ou bien? Amen. C'est ça. C'est là qu'on appelle l'élévation. Ça commence là. Sur l'élévation, c'est pas parler là, je parle en langue, je prophétise, ça c'est rien. L'élévation vient de là. Quand tu vas commencer à avoir le pouvoir d'argent, le Seigneur va commencer à te dire. Vous devez parler à l'argent. L'argent doit venir dans ta bouche. Amen. Fiche, comment ça va venir? Ça appartient à ton papa. Amen. Vous parlez de l'argent, c'est pour Satan. Hein? C'est pour Satan. Hein? Non. Mais c'est parce que vous ne croyez pas que ça appartient à Dieu, que ça ne vient pas dans vos poches. Non, Dieu, donne-moi un peu, et donne aux autres un peu. C'est lui qui bataille, moi il parle pour faire l'argent. C'est pas moi qui dis à Dieu de te donner l'argent. Moi il parle pour moi, je prends pour moi. Et c'est pas un peu, je prends. Elle prend pourquoi un peu. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, l'argent de où mon poids. L'argent c'est où il va rentrer. Tu l'as pas appelé, il va rentrer où. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, les gens ont envie de donner, je sais pas, mais. J'ai envie de te faire un don. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est important. Vous commencez à... Ce n'est pas l'esprit de l'argent, non.
l'argent de mon Père Dieu, je prends en possession de ça, hein, pour gérer ma journée, gérer tous mes besoins. Amen. 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 Et tu vas voir, les choses vont commencer à venir. Est-ce que tu as parlé? Or, la parole, ça veut dire que la parole est une sémence. Qu'est-ce que tu as sémé au cours de la journée? Tu as annulé la mort, ok, la mort est annulée. Tu as annulé la silence, est annulée. Qu'est-ce que tu as sémé? Amen. Maintenant, tu commences à parler. Il faut que tu aies une bonne rencontre. Les gens bizarres ne doivent pas venir. Oh, il y a des gens qui vont venir te créer des problèmes. Et ils doivent dégager de ta vie. Amen. Il y a des gens, quand tu les vois, tu disais, il y a un problème. Monsieur, pardon, faut tout parler. Ben, il a déjà compris. Il a compris. Qui est mort au village? Il y a des gens, quand on les voit, on sait qu'il y a la mort. Ces gens ne doivent pas venir. Amen. Amen. Vous devez avoir des rencontres prophétiques. Or, une rencontre prophétique apporte l'élévation. Amen. Amen. Moi, c'est toujours ma prière. Les gens inutiles, je ne veux pas les voir dans ma vie. Si vous mâchez quelqu'un qui n'est pas utile, il vous détruit. Tout ce que la Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Ce qui est mauvais, qui casse ce qui est bon. Il a dit un mauvais poisson pourri dans un panier. Ça détruit tous les autres poissons. C'est pour ça que ne vous connectez pas aux gens bizarres. Amen. Amen. Éloignez-vous des gens bizarres. Amen. Tu frottes à quelqu'un qui est bizarre. Tu ne vas pas te contaminer. C'est ça. Je ne suis pas là pour être bizarre. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Amen. Amen. Je suis venu marquer ma génération, marquer mon époque. Donc les gens bizarres, je les déconnecte de ma vie. Il faut qu'il y ait une rencontre spirituelle, prophétique. Les bons types doivent te rencontrer. Ceux qui doivent te dire, ah, il y a quelque chose hein, pour toi. Voilà. Pas les gens qui se manquent pour telle mauvaise nouvelle. Non, je n'ai pas besoin d'eux. Je veux des gens qui vont m'annoncer une bonne nouvelle. Sauf que quand Saül allait rencontrer Samuel, après l'onction royale, il dit, dès que tu me quitteras, tu verras sur la route de, vers le puits de la tombe de Rachel, deux personnes qui t'indiqueront le chemin à suivre. Vous savez, il y a des personnes que Dieu envoyera toujours dans ta vie pour te faire entrer dans une grande bénédiction. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va susciter une rencontre. Et c'est cette rencontre. Amen. Amen. Tu n'es pas encore béni parce que tu n'as pas connu cette rencontre. Dieu t'envoie cette rencontre. Quand Dieu venait bénir Abraham, il envoyait des anges. Or, il faut avoir le discernement pour discerner que ce sont des bons types ou des mauvais types. Or, les gens ont problème. Moi, je ne suis pas là pour causer comme ça. Je cause parce que je sais que dans la causerie, il y a mon intérêt. En causant, c'est bon pour moi. Or, vous venez, vous parlez, vous riez, puis il n'y a rien dedans. Non. Quand il rit, c'est qu'il est bon, c'est bon. Mais regardez les blancs. C'est qu'on est, peut-être qu'on n'est pas là. Regarde les blancs. Blanc va venir rire pour te dire, ma chérie, il n'a pas ce temps. Ou même jouer dame, Lido, tu as gagné ta tête là, joue, bah, cunier, allez.